Salam les gens, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo vide-grenier avec mes enfants. J'ai fait des petites trouvailles, dont une console PS2. Le test, il sera vers la fin de la vidéo. Ne zappez pas. Abonnez-vous à ma chaîne, vous allez encourager au développement de la chaîne. Merci beaucoup. Merci pour les pouces bleus. À la fin de la vidéo, il y aura une petite annonce pour mes abonnés. Let's go! Non, si j'étais un bonhomme, j'ai tellement... What? Bien? Je suis riche. Tiens, je commence à acheter. C'est payant. En tout cas, il est flippant. Hein. Il propose quoi à manger là? Ah là là. Oui quoi. Nous revoilà pour le compte rendu de la journée. C'était une super journée, éprouvante. J'ai fait des belles trouvailles. Mes enfants sont contents, je suis content. On va commencer par des jeux PSP. Ghost Recon, Predator, Assassin's Creed Bloodline. 3€ les deux. Ça, c'est pour mon fils le plus grand. Ensuite, on passe au jeu Wii. Resident Evil. Franchement, j'ai joué avec. Il est sympathique. Il fait peur et tout. Ça fait longtemps que je cherchais celui-là, Skylander. Je l'ai trouvé avec la petite plaque et une figurine, 5€. Et on a joué avec, il est super bien. Les enfants, ils s'amusent bien, c'est l'éclate. Celui-là, Astérix, parce que c'est juste la firme Astérix. Mes enfants, ils vont pas beaucoup au parc Astérix, donc ils ont joué avec, c'est pas mal. On va passer à mes 3 et PS2. Mon préféré, Gran Turismo 4. J'y ai passé des heures à jouer à ce jeu-là. C'est interminable. C'est long, c'est chiant. Des fois, c'est chiant. Burnout 2, c'est un jeu de voiture encore. Il est sympa. J'ai acheté beaucoup de jeux de voiture. J'ai rien fait pour jeux de voiture. De toute façon, sur ma chaîne YouTube, je fais de la mécanique. Il y a des vidéos si vous voulez aller voir. Donc forcément, j'aurai beaucoup de jeux de voiture. Ça, c'est pour mes enfants. C'est du Bob l'éponge. Je crois que c'était lui, mais finalement, c'est jouable. 1€ les deux. C'est en fin de brocante. La fille, elle voulait se débarrasser. Un incontournable. Final Fantasy X. Celui-là, j'y ai passé des heures et des heures à jouer avec aussi. Un jeu de moto que je connaissais pas. Un autre jeu PlayStation 2, Need for Speed Carbon. Need for Speed Most Wanted. Tous ces jeux-là sont à 1€. Beaucoup de jeux de voiture. J'ai jamais joué à celui-là.
Pourtant, c'est un incontournable. Ratchet Clank 3. Donc forcément, ben, je vais m'y mettre. Et le dernier, Knockout King. Mais il marche pas. 1 euro. À la poubelle. J'ai acheté une VR, mais oh là là, ça fait l'impression, je comprends rien. Et voici mon lot PS2, donc la console avec les câbles de jeu. Deux manettes non officielles. Voilà. La PS2, dans l'ensemble, elle est correcte. Un peu crade. Il lui faut un petit nettoyage. Pas bien méchant. J'ai aussi acheté un jeu Nintendo DS. Un tout petit jeu, 50 centimes. Il nous reste la phase du test. Donc ça s'allume. On va mettre le CD. Ça marche impeccable. J'ai oublié quelque chose. J'ai pas de memory card sur ma PS2. Sur eBay, c'est 10 euros. J'ai pas envie de mettre 10 euros dessus. Donc, si il y en a un parmi vous qui pourrait m'en vendre une à un prix intéressant, bah, merci de me contacter par mail. Je vais vous laisser le mail en bas dans le lien. Voilà. Comme je vous avais dit en début de vidéo, j'ai une petite annonce à faire à mes abonnés. Comme vous le savez, on a une petite chaîne. 90 abonnés, il faut dépasser les 100 abonnés pour être monétisé par YouTube. Et à ce moment-là, je vais pouvoir organiser des jeux concours pour mes abonnés à fréquence de une fois par mois, peut-être une fois tous les deux mois, je n'ai aucune idée. Ce sera un jeu de questions et de réponses, tout simplement, et j'enverrai des petits cadeaux à mes abonnés. C'est pour ça que à chaque fois, on dit aux gens abonnez-vous, c'est pour pouvoir développer la chaîne. Et quand on a les moyens financiers, on peut faire beaucoup de choses. On peut acheter du matériel. Comme vous voyez, la lumière, elle n'est pas terrible. Donc la vidéo, elle n'est pas terrible. Je pourrais acheter une lumière, je pourrais acheter un micro. Voilà. Donc pour encourager la chaîne YouTube, donc c'était Foufou & Co, bah, abonnez-vous. Soyez nombreux. C'est gratuit pour vous. Ça ne vous coûte rien. Les pouces bleus, évidemment, c'est ma récompense. C'est pour voir le contenu que vous avez aimé et pour développer ce contenu-là. Tout simplement. Moi, je vous dis à la prochaine fois.